nous allons vous rappeler l'essentiel de ce monde en français. C'est tout de suite avec Amélie Cano et Jean-David Chassel. Des bouteilles d'eau, une denrée de luxe désormais à Donetsk. Encerclé par l'armée ukrainienne, ce bastion séparatiste est aujourd'hui privé d'eau courante à cause des combats. Cela fait déjà 26 mois qu'il s'est réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres. Et ce matin, il tient à expliquer en conférence de presse qu'il va bientôt partir. Je dis et je confirme que je vais bientôt quitter l'ambassade. Ce matin, les combattants kurdes avaient repris le contrôle de tout le barrage. Une infrastructure essentielle pour l'eau, l'électricité et les cultures de la vallée, mais qui a aussi une importance stratégique. Le Tigre descend jusque Bagdad. La Belgique est un pays compliqué, avec des régions, des communautés qui ont beaucoup de compétences, et les gouvernements régionaux sont déjà formés. Les pièces du puzzle sont un peu compliquées à réunir, mais on va sans doute arriver effectivement dans les prochaines semaines à former ce gouvernement, mais c'est bien plus difficile de dire combien de temps il pourra réellement durer. Elvis était et il est resté un symbole, ou même une série de symboles finalement assez contradictoires. Alors c'est vrai, c'est le symbole de la rébellion, mais aussi de la soumission à un système. C'est le symbole du rêve américain, puis du naufrage américain. Michael Brown a été touché par 2 balles dans la tête et 4 dans le bras droit. C'est ce que rapporte le New York Times. Les balles ne sembleraient pas avoir été tirées à bout portant. Une autopsie à charge contre le policier. C'était un enfer, c'était d'une brutalité extrême. On était entre 40 et 80 dans les chambrées, c'est-à-dire qu'on était tassés là-dedans, on a commencé à avoir de la vermine, on a commencé à avoir faim. Bon, je sais que mes parents étaient avec moi, j'étais raflé avec eux le 16 juillet, ils sont arrivés à Drancy. Le soir, je ne savais pas où ils avaient été embarqués et ils ont été déportés le 27 juillet. Il y avait 3 convois par semaine. Nous sommes dans la Ruhr, région industrielle urbaine de l'ouest de l'Allemagne. Depuis 12 ans, d'anciennes aciéries, des centrales électriques abandonnées, des mines de charbon désaffectées deviennent des salles de spectacle le temps d'un festival, la Ruhr Triennale. Et avant de se quitter, une pensée comme chaque jour pour toutes les personnes otages dans le monde. Pensée en particulier pour les jeunes lycéennes enlevées par Boko Haram à Chibok au Nigeria. Pensée également pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français retenu au Sahel. Voilà, c'était 64 minutes Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à demain sur TV5 Monde.